Alors, dans cette vidéo, les gars, je vais vous montrer toute ma collection de toupies. Vous ne les voyez pas, je vais mettre par les photos pour que vous les voyez. Ah, truc de merde. Et puis, je vois tout de suite. Regardez toutes les toupies. Ah, et puis vous les voyez. Et oui, c'est pas trop spoilé. Alors, on a Audax, ma toute première toupie. Qui est assez cabossée. Hein. Je sais pas si on voit à la caméra. La peinture, vous voyez, hein. Partie. Qu'est-ce qu'il y a pointe? Qu'est-ce qu'il y a pointe? En plus, je sais pas. Et ben ça dégage, mon gros. Après, on a Salamander qui peut changer de mode. Qu'est-ce qu'il met là? Ah oui, et déjà, j'ai fait oublier. Ah bon, que là, on ne fait que les deux toupies, mais il y a des meilleurs. Donc tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Ça paraît logique. Mais oui, oh. Et non. Et non. Merci beaucoup. Vous en battez les couilles. Moi aussi. Alors après, Lucie. La toupie de Lay. Saison 5. Merci, ça prend. Je l'ai vu. Ou, à Noël. Alors après, on a Delmus de Volos, que j'ai eu à mon anniversaire. La pointe. La pointe, vous voyez, et ben non. Alors, en plus, elle a un petit truc pour décorer le métal, ça c'est beau. Et le dragon. Maintenant, on peut se barrer. Alors ensuite, on a Spryzer version vert. En vrai, je l'ai eu à mon anniversaire sans lanceur. Putain, ça me gratte le pied, c'est merde. Sans lanceur, et j'étais un peu deg, mais bon, le monde fait les choses comme il veut. Et la pointe est en caoutchouc. Vas-y, essayez de toucher. Mais non, c'est vrai, je ne pas. Maintenant, elle est de saison 1. Après, Apocalypse! Alors, là, Apocalypse est un peu stylé. Parce que là, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais il y a des petits trucs là, je sais pas si vous voyez. Parce qu'il a. Et je l'ai eu à Noël. Et c'est une toupie saison 4. Après, on a la G, le G, le. Stack 2.0, tu peux fermer ta gueule et tu peux mettre, voilà, part. Alors après on a Gimus. Bon, j'arrête avec cette voix, hein, c'est chiant. Alors elle peut monter et descendre. Ce qui est chiant, c'est qu'avec sa pointe, et bah quand elle tourne, on entend le frottage quand elle tourne. Et c'est une toupie saison 2 et elle appartient à Josh Burn. Oui, et ma mère me l'avait acheté. Voici la toupie de mon frère. Il a arrêté de collectionner. Maintenant je l'ai. C'est une toupie saison 1. Sa pointe est un peu chelou parce que quand elle tourne. Attendez, vous avez pas vu. Là, ça. Vous avez vu. Bon, maintenant, on a le frère. Je ne sais plus le nom. Je l'ai eu à Noël. Voici la pointe qui peut se mettre en mode ultra attaque. Je vais vous mettre. Attendez, fais nuit. Voici la pointe. Elle est magnifique. Ouais. Alors après, on met sa sœur. Qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que j'ai aussi eu à Noël. Voici la pointe qui ne peut pas changer. Alors, après, on a Vitriac, saison 3, avec, je précise que toutes les toupies que j'ai eues sont des Hasbro, hein. Je ne fais pas confiance à Takarazumi, j'ai trop peur de me faire arnaquer. Elle est belle. Et c'est ma mère qui me l'avait acheté parce qu'elle avait des bonnes notes. La pointe est au caoutchouc. Alors, après, on a Typhon. Voilà, peut-être qu'ils dégagent. Qui font en mode Égypte. Qui peut changer de mode, s'y mettre en mode ultra attaque.
comme là. Et puis ma mère me l'avait acheté. Alors, après, on a S Dragon version perfume. La pointe. Et je l'ai eu à Noël. Alors, après, on a Longinus ou Louis Noir. Alors, le dragon. Avec les deux dragons là. La pointe. Il peut tourner, donc ça, c'est trop bien. Imaginons, tu t'emmerdes. Bam, bam, bam. Et moi aussi, je fais un truc aussi quand je m'emmerde, c'est que je lance les toupies. Merde, vous avez pas vu. Je lance les toupies. Je crois que vous avez un peu vu et je les rattrape. J'adore faire ça. Après, on a Xcaillus version blanc avec son triple sabre, sa pointe. Et mon frère me l'a donné parce qu'il collectionne plus. Voilà quoi. Putain, j'ai mal au dos. Après, on a Fafnir. On a un peu abîmé. Je sais pas c'est qui a mis le truc noir, mais en tout cas, elle devient une bolosse. Tu dis coucou à la caméra? Oui, alors tu vas te calmer. Non, tu vas te calmer. C'était mon frère qui m'a passé parce que il collectionne plus. Et on va faire une pause. On pause terminée, on passe à la plus récente des toupies que j'ai achetées avec mon argent de Noël 2021. Et ça tombe, saison 5. Avec sa pointe qui peut tourner. Et sa pointe, enfin, l'anneau de la pointe qui peut tourner, et la pointe aussi, et là, enfin, je sais pas comment vous. Ah oui, là ça peut bouger. Alors, après, on a, je sais pas le nom, mais en tout cas, elle a l'air belle. Voilà, on voit juste une chauve-souris ou je sais pas quoi. Après, on voit la pointe qui est plate. Vous voyez que les points. Bref, je bégaye en plus. Qu'est-ce que je suis con? Alors, celle-là, je l'ai eue à Noël. Elle est rouge. C'est la toupie de Yoga. C'est Hyperion, il me semble. C'est pas Lyos, parce qu'elle ressemble. Voici la pointe. Il y a les stylés, quoi. Alors, après, on a Fafnir, saison 4. Voici la pointe. Cette fois, elle fait pas un ressort. Regardez. Non, ça marche pas. C'est une saison 4. Et ma mère me l'a. Ouais, ma mère me l'avait acheté aussi, mais je sais plus quand. Après, on a Rock Tavor. Que j'avais eu à Noël. Enfin non, non, mon anniversaire. Par contre, elle explose à chaque fois, donc ça c'est chiant. Et c'est une saison 5. Oh, la collection se termine bientôt. Après, on a Dread Phoenix. Qui peut enlever son anneau. Bref, j'arrive pas à une main. Et voici la pointe qui peut changer de mode. Là, elle est en mode, je sais pas, mais après, elle peut se mettre en mode ultra attaque et en mode défense, là dans défense, là dans ultra attaque. Et je l'ai eu à Noël. Attendez, je vous mets dans le noir, c'est bon. Après, on a une toupie, je suis un peu du mignon. Moi, je faisais un jeu de mettre les deux billes comme ça. Comme ça, on dirait que ça faisait des yeux avec le nez au milieu et la bouche en dessous du nez. Je sais pas si vous voyez. Franchement, elle est claquée au sol, mais bon. C'est une saison 1, voici la pointe. L'anneau, je sais pas pourquoi, mais il est un peu mal fait. Ah, d'accord. Et après, on a Elfornéus, version requin, parce qu'elle est plus stylée que l'autre. On va pas se mentir que l'autre est pas belle. Voici la pointe, et je l'avais eu à Noël. C'est une bille qui tourne. Alors, vous êtes prêts à voir toutes mes toupies sans les voir 2 secondes? J'ai
24. Toupie! Alors, j'ai le lanceur là. Donc, saison 5. Alors, j'ai aussi le lanceur saison 4. Le lanceur saison 2. Mais je ne sais pas pourquoi, là, ils ont fait des grands, alors que là, c'est tout minuscule. Pas se mentir. Le lanceur saison 3. Beyblade, Blade, la crémaillère, je ne sais pas. Le lanceur requin que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai lancé trop fort, il s'est pété. Et. Je crois même pas qu'il est actualisé. Attendez, je vais voir. Pas de bouton. Non, c'est bon. Allez, ça. On ramasse. Voici le turbo que j'ai eu à Noël. Oh, un petit coup dans la tablette. Ça peut être bien. L'arène. L'arène. Saison 4. Avec la petite rampe. Et tout. Voilà les. Oh, putain, c'est trop gros. Bref, c'est pas grave. Et l'arène la plus récente. L'arène. Avec le truc qui peut tourner. Je vais vous montrer le truc qui peut tourner. Regardez, là, il va tourner. On va demander parce que ça fait un bruit désagréable. Vous mettez derrière. Bon, bah, les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Donc, like, commente, partage et abonne-toi. Partage, c'était pas obligé, hein. J'en bats les couilles en plus du partage, mais bref, je fais comme les youtubeurs célèbres, quoi. Et puis, ciao!